Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas. Nosotros, hija mía, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos. Mon voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille plus loin, y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois je pleure en cachette, mais pas longtemps car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort et vivre relève de l'exploit. Nosotros, hija mía, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos. Papa est à bout, il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, il y en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros et les journaux sont des menteurs. Ils disent que c'est des bandits. Après, il y a des gens qui ont peur. Papa dit, ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche. Tant d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara, Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Hasta la victoria. Juntos hasta la victoria.